les gens, yo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous vous rappelez, dans l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, c'est présenter en fait le... mince, comment dire... mes petits micro... pas des micro-fighters, mais mes... Hot Wheels Starships. Donc j'en avais même pas... je crois que je devais en avoir 8. Mais depuis le temps j'en ai eu des nouveaux, donc j'en ai énormément en double. Hein. Ça c'est clair, mais... bon... donc, je les installe tous. Enfin, non, je vais vous montrer comme ça. Donc, je les installe tous et on se retrouve juste après. Donc, je vais faire un... hey, donc, on se retrouve. Je vais vous faire la présentation. Bon. Oh là là. Je sais pas comment régler. Voilà, ça fait du nombre. Peut-être inverser, ouais, parce que là, en fait, le problème, c'est que si vous voulez, c'est... voilà. Donc, on va commencer par le vaisseau. Donc, celui-là, j'ai encore le nom. C'est le Command Shuttle de Kylo Ren. De Kylo Ren dans Star Wars 7. Donc, celui-là, il a un bug parce qu'il est. Enfin, il doit avoir une connerie qui s'est passée dedans parce qu'il est carrément de travers. Au pire, après, on passera au sous-blister. Je l'ai aussi en sous-blister, on l'enverra. Là, le Faucon Millennium. Le Ghost. Le First Order. Le chasseur TIA du premier ordre, hein, si on veut. TIA classique. Le TIA des forces spéciales du premier ordre. Donc on peut voir. Hein, ils sont différents. Donc celui-là, il a une petite antenne. Il est beaucoup plus détaillé que l'autre. Hein, parce que ça, du coup, vu que c'est des modèles plus récents, ils sont nettement mieux améliorés que celui-là. Voilà, parce que celui-là, ça, c'est le classique. Donc on a... donc j'ai trois... 3 X-Wing de Poe Dameron, 1 X-Wing de la Résistance, 1 ben, donc le vaisseau de Dark Vador, le vaisseau d'Obi-Wan Kenobi, je crois, oui c'est celui-là, c'est le Starfighter d'Obi-Wan Kenobi, et 2 canonnières Tabak. Donc les canonnières, c'est mes vaisseaux préférés dans Star Wars. Donc là, on va tout de suite passer au sous-blister, donc c'est ceux que je garde emballés. Donc là, on a la canonnière Tabak, donc sous blisters. Là, nous avons le vaisseau le Advanced Prototype de Dark Vador. Donc c'est le vaisseau de Dark Vador que j'ai là. Là, le shuttle de Kylo Ren. Et là, nous avons le X-Wing de Poe Dameron, encore une fois. Excusez-moi. Donc, je vais vous montrer que c'est que je les accroche. Hein. Donc là, j'ai des petits trucs comme ça. Ouais, une main, c'est un peu dur quand même. Mais donc, c'est tout pour la vidéo. N'hésite pas à lâcher un commentaire, t'abonner et bah, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!